Vous reconnaissez sûrement l'endroit. Je pense que sa petite réputation n'est plus à faire. Déjà, après à peine une saison. Et oui, je parle du Maelstrom, communément aussi appelé Mont Tourbillon, le nouveau secteur des sentiers du Moulin, caractérisé par son granit poreux, ses lignes inspirées du BC, puis un trail building de qualité. Hein? J'étais en petite mission de repérage pour un sentier qui s'appelle Granitosaur. Mais c'est pas ce que je vais vous montrer aujourd'hui. C'est plutôt la descente qui s'appelle la Maelstrom. Et officiellement fermée aujourd'hui, mais j'ai la permission pour faire mon travail, tu sais. Fait que je risque de rencontrer des trail builders en chemin. Donc c'est pas une run de gonnage. C'est vraiment juste pour vous montrer, comme d'habitude, comme j'aime faire. On va rentrer par le petit fossette. Et voilà. C'est une blur relativement accessible. Mais ça dépend évidemment de vos critères. Mais je trouve que c'est assez bien réussi personnellement. Je suis venu avec mon gars une fois, puis il a survécu. Il est en cinquième année, il y a 10 ans. Il est bien du fun. Ça reste rocheux. Par endroit, mais avec un momentum intéressant, ça se fait bien. Wow! Ils ont l'air d'avoir mis beaucoup de roches. C'est un sentier qui est jeune, donc c'est à entretenir. Ils découvrent les spots humides au fur et à mesure que c'est roulé et que la saison progresse. Donc je pense qu'ils font une bonne job là-dessus. Vous voyez, ça c'est frais, frais, frais d'aujourd'hui. Je m'assure de ma shop. Un double. Quelle nouvelle rivière. Ça c'était chaotique. Aussi. Dans le fond, c'est la deuxième fois que je l'ai fait. C'est fun. Ça continue ici. La seule fois que je l'ai fait, j'étais uniquement préoccupé par mon gars, dans le genre faites-toi pas la gueule. Là, je peux un petit peu plus laisser ça aller, c'est cool. Il y a un bon flow. Regarde. Amorcer. Descend. Catch berm. Là, si tu peux tout laisser ouvert là-dedans. Je sais pas ce qu'il y a de danger là. Petit pont.
Ouh. Oh ça. Tu vois, c'est avec du kick. Et ça continue encore. Décidément. Même que ça monte légèrement. Eh ben dis donc. Ah ouais, c'est super la fun. Wow. Compression de la muerte. So. Alors, so. Wow, ça, j'avais dû passer plus haut. J'ai l'impression que quelque chose s'est passé avec la GoPro. Continue, décidément. Oh, on ne prendra pas là-dedans. C'est quand même un challenge cardio, si on veut pédaler ça tout le long. C'est sûr que je ne suis pas monsieur olympien, mais ça en demande quand même. Ouh! Ta-da-da-da! Voilà la Maelstrom. Intéressante. Pas croisé personne finalement. Et que c'est le retour officiel du secteur. Donc, si vous roulez au Maelstrom, ben, puis que vous revenez par Klondike, puis Slab Express, en tout cas du côté des Sentiers du Moulin, c'est la seule descente. Super belle intermédiaire, quand même longue, super amusante. Première expérience avec mon gars, c'était super le fun. Deuxième seul, épuisé, c'était aussi le fun. Donc c'est bon signe. Quand c'est ouvert, profitez-en, mais sinon, ben, attendez, prévoyez les vacances. Prévoyez votre coup parce que ça vaut vraiment le tour. Fait que c'est ça, comme d'habitude. Je sais que je vous ai négligé, là, mais abonnez-vous, likez, partagez. C'est la meilleure façon de motiver à continuer à faire ça. Je manque essentiellement de temps, pas de motivation, mais bon. Voilà, à plus!